et qui fait encourager plus le natif. L'honnêteté, au fait, c'est la santé. Mon Okay. travail, c'est promouvoir la santé. Un djinn qui. Il faisait commencer avec un bon bas, comme Denyayen, Kamlesh. Je m'avais respecté ça, mon djinn, parce que pour moi, c'est un exemple. Un pilier, un pour pilier moi, de ça. Et des fois, nous avons besoin de lui pour gagner mon inspiration. Dans le local même. Dans le local, il y a un djinn qui là. Ça, mon djinn, c'est un parcours extraordinaire. Excellent. Extraordinaire. Bonjour, Ashley. Bonjour, et correct. Et aujourd'hui, nous avons Enya Eben. Moi, je connais un Juma Eben. Pour moi, je connais qui travaille dans les alentours. Pour moi, la vie Eben est bien stressant. Juma, il existe, nous avons dit, walking distance. Et nous ouvrons de quelle heure à quelle heure? Le dernier ouvert de lundi à vendredi, donc 6h30. Donc, je vais venir avant mon travail. 6h30 okay. À 8h le soir. 8h le soir, donc après travail, c'est jusqu'à 23h. Après travail, c'est jusqu'à 23h. Week-end, samedi, nous ouvrons 7h30 jusqu'à midi. Okay. Et dimanche, nous fermons. Fermons, donc restez. Et Warren, et sans plus tarder, qui te fait dans la vie? Qui l'a fait et qui te fait dans la vie? En fait, moi, mon club manager à Enya Fitness Club ouais. Et mon coach sportif est maintenant 35 ans. 35 ans. Et pour les gens qui ont envie de contacter toi, si tu as envie d'être coaché pour toi, pourquoi tu peux contacter toi? C'est déjà bien, viens directement à Enya Fitness Club à Eben. Donc, toi, tu es basé ici. Je suis basé ici, mais je ne vais pas faire coaching à l'extérieur. Je fais ici. Que pour Enya. Donc, si maintenant, tu as contacté toi, tu as contacté toi. Je suis contacté moi-même, nos social media, là, mon cabine, j'ai une bonne indication. Facebook, comment Facebook. Comment t'appelles Warren Info. Et le Instagram Warren Info. Et tu as un numéro personnel qui est capable de partager si maintenant. Okay. Business number, c'est 5849-0913. 5849-0913. Et Warren, et aujourd'hui, tu m'as connu ton parcours depuis bien l'époque, nous ensemble, dans le monde du bodybuilding. D'où vient l'idée de fitness et bodybuilding? Qu'est-ce que tu peux faire avant qu'il te dise non? Now it's time for bodybuilding. C'est-à-dire, moi, auparavant, moi, tu fais plus beaucoup de sport de combat. Ah ouais? Moi, je fais beaucoup de sport de combat. On peut penser boxing. Je fais la boxe, okay. Je fais kickboxing, je fais jiu-jitsu, ah je ouais. Fais kyokushinkai. Je me fais taekwondo, je me fais judo. Mais quoi, c'est competition level? Competition level, je me fais. Donc, allez, nous prenons les combats. Tu as grandi, tu as une jeunesse, sport de combat. D'où vient l'idée? D'où vient l'idée? Un peu au niveau de la famille, maintenant, membre de la famille qui est vraiment maintenant. Vous êtes bon là-dedans dans sa domaine. Ok, c'est un family thing. Yeah. Ok. Et là, tu rentres là-dedans. Est-ce que tu rentres dans le bodybuilding direct ou bien tu viens, comment dire, un adhérent, disent tout ça. Faites bodybuilding aussi, c'est une histoire familiale. Ah ouais. C'est une histoire familiale. C'est-à-dire qu'il m'a grandi dans un gym, okay. Que mon grand-mère. Ok, comment appelez-vous c'est à Rodrigue, okay. Darrell Bobel Gym. Darrell Bobel Gym. Oui, et mon tonton, c'est un man pilier du bodybuilding à Rodrigue, Darrell ah Philippe. Ouais. Il y a encore existence du gym-là? Gym-là existence aujourd'hui. Il est au Facebook, il est au social? Non, il n'est pas au réseau, c'est un old school. Old school? Old school gym. Ok. Et mon enfance, il finit là, l'air même. Donc, tu peux aller, c'est pour keep fit? Moi, tu peux aller, c'est pour traîner l'école, tout ça là. Ouais, keep fit, ok. Ouais, on traîne un petit et peu. Et ton parcours dans le monde du bodybuilding, là, comment est-ce qu'on est arrivé là? Là, côté comme compétition. Non, depuis... Non, pas comme compétition. C'est comment je gymais. Combien de temps de le faire? Ça veut dire depuis 2016. 2016, en 2016, c'est une rente de la compétition après moi.
2016. C'était ta première compétition que tu faisais? Ma première compétition, c'était à Rodrigue, Mister Rodrigue. Ouais. C'est 2016. Tu fais Mister Rodrigue? Oui, 2016. 2017, Mister Rodrigue. Ok. Donc, 2017, tu as gagné Mister Rodrigue, là, tu as gagné Compete Maurice. Moi, tu as gagné Compete Maurice. Et là, tu as gagné quelle catégorie? Moi, tu es dans la catégorie de moins 80 kilos. Moins 80 kilos. Moins 80 kilos. Ok. Avant qu'il te entame, Mister Rodrigue, que tu aies ça l'envie de monter en compétition? Faites toujours avec la famille parce que le tonton, les frères en compétition à l'extérieur, okay. Les frères l'Égypte. Okay. Le tonton qui n'aurait déjà mort? C'est Abel Philippe. Abel Philippe, oh, oui. Okay. C'est un Jimon qui est okay. Bien titré. Bien titré okay. Dans bodybuilding. Il promouvoit bodybuilding. À cause que Jimon qui traîne bodybuilding, compétition longtemps, 300, 400 personnes, mm-hmm. Il est en compétition bodybuilding à Rodrigue. À cause de mon père. Mon tonton. Ouais, le tonton. C'est lui qui organise ça. Financièrement, il y a un petit tracé, un roadband sponsor, il organise ma compétition. Pas que dans les gouvernements. Il y a là. C'est dire, dans l'année 80, si on ne va pas dire n'importe quoi, à 87, 97, ça va m'amener. Donc, il a vécu ça va m'amener. Je l'adore, Titi. Je vis là-dedans, je passe là-dedans. Je me rappelle ça va m'amener au moment là parce que. Quand on prend la compétition dans le gymnase, là-bas, rempli l'état du monde. Et là, voilà. Ton tonton, est-ce qu'il te tonton une état de compétition ou bien tu as gagné le déclic? Moi, j'ai gagné le déclic parce que moi, tu maries. Tu connais quand tu fais sport de combat, tu es bien sec, tu es bien mince. Et moi, tu dis, moi, tu m'as dit, laisse-moi. Moi, je vais un peu grossir. Ouais, et, ok. Et tu as fait Mister Rodrigue combien de temps? Ça veut dire Ansel 2017. Les là, l'enchaînement de compétition. Qui va une compétition de mon c'est à mon prochain mon compétition ensuite. En 2018, je suis à La Réunion. Je suis un classique. Je suis premier en classique à La Réunion. C'est Titan. Titan. Coupe des Titans. Coupe des Titans. Première Coupe des Titans. Tu viens de l'équipe Mauricien. Tu vois Denis Ayen, Judex. Patrick. Ouais, tu as la tarif sur la compétition. Voilà. Moi, tu es dans la compétition, là, côté classique. Moi, tu fais premier. Là, on se dit ma compétition. Après, je vais enchaîner avec Waba Mauritius. Je vais faire premier. Overall, Waba Mauritius. Quelle année tu fais 2019. 2019. Okay. Et ensuite de ça, je vais me préparer pour mon championnat du monde en Ukraine, Waba. Ok. En 2019. Aldo, pas Tchalé, ça. Okay. C'était en Ukraine. Et c'est même l'année qui. Katira Boutikin, ce titre pro. Ok. C'est dans Scharf aussi. C'est pas un pro, non? C'est pas un pro. Pas un pro, un pro. Mais nous sommes ensemble, c'est dans la même équipe. Nous avons sa compétition. Et là, tout le monde va dire compétition par la suite? Par la suite, on va faire l'autre compétition en 2022 à Vicenza. Championnat du monde en Italie. Italie, ok. On me fait une compétition là-bas, on me termine dans le top 6. Top 6. Après une semaine, on est dans le sud de l'Italie. Et tu fais une autre compétition. Pro, là. Bon, pas qu'on vit une pro là, on croit à ma TM là. Donc je fais multiples compétitions dans les mêmes foulées là. Dans la même foulée, on fait une deuxième compétition après une semaine et on me termine troisième dans la catégorie même physique. Ok. Et on termine quatrième dans le classique. Et bodybuilder en main physique, qui ne pousse pas une un peu plus main physique maintenant? Au fait, moi, pour une plus main physique et classique aussi, c'est mon envie de maintenir mon esthétique beaucoup plus. Oh, ok. Classique maintenir, voilà. Vous allez venir en bodybuild là. Exactement, avec mon âge aussi. Mon âge 35 ans, je pense pour le futur. Ok, there's always life after bodybuilding. Parce que mon vivre bodybuilding. Ouais. Mon envie de continuer à faire bodybuilding. Mais tu as envie de faire une façon plus sainement. Exactement. Okay. On va aller un peu plus sainement. Code Moka préserve la santé aussi un peu et plus. Et longévité dans le jeu. Longévité, exactement. Et Warren, et après ça, qui compétition tu veux demander? Fini là. Fini, c'est là. Là, tu peux monter une compétition là? Là, je peux aller faire mon premier Universe à Venise. Italien, moi? En Italie. En Italie. En Italie. Donc, on va pas aller plus basé en Italie? Non, en fait, dit pour l'Espagne. Ok. Mais là, je t'ai dit la dernière compétition. Mister Universe. Mister Universe, mon premier ça. Qui te peut monter catégorie? Catégorie, les pesées mots, au fait, tout vous est le mot poids. Ok. You have to make weight for classic? Classique. Pour classique, monsieur, on m'a dans classique. Ok. Même physique, monsieur, on m'a dans même physique. Ok. Mais si mon poids drop, comment on te dit, puis aller, peut-être m'a fait athlétique aussi. Yeah. Athlétique, c'est comment bodybuilding. Mais tu as besoin plus fin.
OK. Les plus old school bodybuilding. OK. Nous avons un peu mal physique depuis France. Un okay. peu comme ça, okay. exactement. Okay. Mais il n'est pas passé. Qui date de aller? Je suis allé le 12, le 12 novembre avec Maurice et ma compétition le 17 novembre. 17 novembre. Tu ne vas pas faire même fouler pendant les autres compétitions, non? Non, là, ça va en faire, nous vous faire un seul. Mais tu as trois catégories, tu vas rentrer. Elle a deux cires là-dedans. Deux cires, classique et physique. Et athlétique, une grosse possibilité parce que moi, mon poids peut réagir. Ok. Ouais, vraiment dans sa catégorie. Oui, athlétique. Ouais, et plus, c'est pareil, en maillot. Maillot pareil, bodybuilding, mais tout ça. Est-ce qu'il nous fait penser un peu sa catégorie qui Jacob De Bruyne qui fait une époque dans Sud-Afrique? Il y a un peu pareil. Un peu pareil. Il y a un peu pareil. Il y a un peu Jacob De Bruyne, Jeff Seed, tout ça, tu peux faire. Oui, mais tout pose bodybuilding. Hein. Ok. Tout c'est vraiment un peu plus fin. Il y a rapport à ta hauteur et à ton poids. Antoine Réchaud là-bas. Oui, mais un Réchaud qui. Donc, si tu n'as pas récibé ça pour là, tu vas faire. Mon papa, quand même. Il y a quoi casser, Galo? Oui, il y a un peu. Et tu oublies Tchitchi. Tchitchi. Mais l'esthétique est fort. Oui, l'esthétique bien fin, tout ça bien fin, bien détaillé. Et pour Manzelis qui pégue toi, là, toi en prep, et tu as 1000 plantes, comment était daily 1000 plantes? Mon daily 1000 plantes, en fait, mon métabolisme assez rapide à acheter. On mange marre beaucoup. Et le matin, je prends 50 grammes de flocons d'avoine. On disait sincèrement first meal. First meal, ouais. Mon second meal, on remange 10 zep brouillé. Brouillé. Mon troisième meal, c'est 400 grammes de poulet avec 300 grammes de patates douces. OK. Que ça, ça de là. Mon quatrième repas, toujours 10 zep. OK. Alors, 9 brouillé. Combien de zep nous mettez pas 30 pour manger. 30, OK. OK. Vous mangez 30 zep par jour. Ouais. Et mon prochain repas, c'est 300 grammes de poulet. 200 grammes de patates douces. Donc, ton corps, c'est un peu plus patates douces. Mon patates douces, oui. Pourquoi le choix? Le choix, mon tourlier appuie bien avec mon écho. Et il y a un slow digest, ouais. Et un force métabolisme. Oh, et un slow digest carb, ça. Okay. Et mon écho, il peut réagir mieux avec mon slow digest carb. Ok. Et avec mon qui est un slow métabolisme, qui est un carb, ça l'est-il? Mon slow métabolisme, c'est dire. On veut dire. Thierry. Ouais, parce qu'il dit déjà. Oui, voilà. Ok. Et normalement, vous trouvez que tu peux bien base, toi, le solid food. Combien ça les coûte toi, par semaine? Par semaine. Vous l'avez compté. Vous pensez, parce que vraiment, nous comptons un plateau de zip par jour. Oui, un par jour. La plateau de zip, le 300. 700, 800 grammes poules par jour. Ouais. Nous comptons un kilo. Un kilo, là, mon quoi, les coûte toi, le 250, 7. Tu as besoin d'un 4000 euros final de manger? 4000 euros facilement. Ça nous fait causer solid food là. Solid food. Et tu supplémentes, oui, monthly comme elle est venue. Nous protéines, nous supplémentes, nous supplémentes, un sponsor. Qui fournit moi tous nos produits nécessaires. C'est Olymp Sport Nutrition. Et si tu as un petit bout, tu n'as pas pour prendre ton stack, il va voir comment il est coûté. Facilement 20 000 euros. 20 000 euros. Donc, si nous regardons bien, pour être au niveau, comment tu étais, vu que tu vas à Mister Universe, définitivement, donc je vais poser un grand un peu plus élevé, mais j'allais être 50 000 euros. Minimum. Ouais. Mon remercie, tout ça, du moins, on a beaucoup de soutien. Hein. Olymp se trouve à Bagatelle, on a déjà pas mal de produits qu'Olymp, on voit, et tous les cas aussi. Il y a un, on voit, il y a un lutte là, un lutte fat burner. Et c'est déjà, il y en a plusieurs fat burners. On aime voir si on prend L-Cornitine là et on prend Quen. Pourquoi n'est-ce pas appelé Speed, c'est pas... Thermo Speed. Après, on prend sur AKG. AKG, marrant. Et sur protéines, tu veux essayer? Sur protéines, on va essayer. C'est one of the best. Moi, j'ai plus sur... Moi, j'ai des soins avec protéines biotiques. Moi, j'ai des choses dans les ballonnements. On peut dire tout un affaire. Là, moi, j'ai vu du train là. Un zoom au fait aussi, un cadre de l'échantillon, en tout cas, essayer. Les microfilters. Ah, ok. Donc, je vais vous appeler. Problème avec ballonnement, lactose, marmite. Qui, moi, j'appelle les sous-protéines là-bas parce que je c'est isolate 95. Les 30 grammes de protéines en scoop, isolate 95. Mais mon préféré reste complexe. Oui. Qui me servit off-season. Off-season, vous savez. Prep, comment tu devais servir là? Un prep, on finit et arrête. En effet, d'arrêt pour protéines. Focus sur les solid food. Et why is the choice? Parce que nous trouvons beaucoup qui, beaucoup de gens prend plus de protéines là pour protéines à la fin, qui nous réveillent une grande tête, comme un de la brada. Why is the choice of focus sur les solid food? Pour moi, au niveau de mon système aussi, il est moins fatigué, il me digère plus mieux avec mon solid food, il mieux, il mange bien avec mon écho. Et mon écho plus propre. Et là, nous gardons disons, des semaines avant la compétition.
Là, on fait exactement deux Et deux semaines. semaines de calories, de télécalories, t'es combien? Je dois prendre mon pas compter. On te va compter. Mon Ça pas te compter. connaître, tu commences autant, là, tu veux Oui, baisser. Donc, exactement. tu Mon avais old manège, school. old Tu avais school, old old school. Tu vas school. fitness Non, pas mal non, moderne. non, Aussi, moi, baisser mo, le poids, mo, ça. mo, old school, moi. Et ton training split, comment était? Là, mon training, ça a été un entraîneur de bodypot, OK. superset, Super 7. non-stop, Non-stop. non-stop. Il travaille un peu plus pour toi. Est-ce Oui, que tu il as travaille payé bien plus pour avec moi dire lundi, chest, tricep, mardi, back, bicep, un peu moi. comment? Si mon papa fait un mot, il fait un chest back. OK. Pareil, il me fait un chest, il fait un incline and flies. OK. Moi, les 4 sets OK. de Mais 12 à 15, assez un lourd. super set. Assez lourd. Pas trop lourd. 60%. Non, pas trop 60% de lourd, parce body que moi, Céline, là, weight. OK. pour moi, Céline, mon Et que pas tu vas aller blessé. blesser, Mon c'est pas OK. blessé, mon pas quelque chose. Et Warren, dans le milieu du sport, on va penser plus que 10 ans. Et nous rentrons dans les vifs du sujet. Et natif versus Qui NS, met ça ça, pour tu n'as toi? pas fait partie avant Zenith, qui, pour penser, tu as déjà vécu de même dans ma gym, qui pas de ça, je vais avant les autres gyms. Zenith, qui peut prendre anabolisant, enhance, malgré qu'ils ont encore des autres phases de puberté, ils sont bourrés de testostérone naturelle. Qui met ça, tu n'as pas fait partie avant Zenith, qui peut guider toi, l'eau atopique-là. Au fait, ça, topic-là, c'est une affaire bien délicate. Moi, j'ai même bon courage à un gym qui fait ça. OK. Parce qu'il a mal de conséquences. Et Zenith vient de t'ajouter de Warren. Ça, j'ai même. OK. Ça, même au conseil personnel, Et ça. qui fait t'encourager plus le natif? Le natif, au fait, c'est la santé. OK. Mon travail, c'est promouvoir la santé. C'est ça, mon travail. Moi, un coach sportif, j'ai même envie d'un gym qui prend un anabolisant. OK. Si un gym fait ça, c'est son choix OK. personnel. Il est capable d'être ici, en ville, il prend. OK. Mais moi, j'ai même au point d'indiquer un gym qui prend un anabolisant. Et Parce qu'il Zenith est vient là de pour t'ajouter à promouvoir la Warren, santé. pour médecin. Pour ma question, tu me demandes quand il rentre au gym. Pour toi, un Zenith s'est rendu au gym aujourd'hui, combien minimum les temps il faisait de lui-même pour les créer sur base en un natif basis? Un gym qui faisait commencer avec une bonne base de C'est bodybuilding, ça. Combien de premièrement. temps c'est libre pour prendre les temps là? Pour lui commencer avec une bonne Base, base, ouais. un an. Un an. Un an de bonne base, hein. Donc, quand Seulement, les dans bizarres 3 mois, quand il n'est pas consistants. même pour le résultat, il fait la patience. Il faisait la patience. C'est OK. la passion lâche longtemps, Ouais. tu l'as donc. Au Ouais. compte, en marie longtemps. Ouais. Et tu ne connaîtras pas au couloir comment aider. Même pas vous qui finir cela. Non. Et moi, un management, si vous me permettez, moi aussi, je demande comment Denis Ayen, Kamlesh, moi, je vais respecter sa management là, parce que pour moi, c'est ben un exemple qu'il a. Pas de Pour pilier moi, de Mauritius ça. Bodybuilding. Pour moi, tout le temps, Définitivement. j'ai une grande admiration pour Ouais. ça à des Définitivement. gym là, parce qu'ils ont la marie longtemps. Ouais. Et je peux te tenir sa quantité là et sa large là. Dans le Ah, bodybuilding, parce il que n'est mon pas pote, je facile. finis arrive depuis que moi je suis toujours 50 dans mon corps. Ouais, mais respect. Respect. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Ouais. ça. Même Aldo Fola aussi, qui Ah me oui, fait d'ici. Aldo Fola, qui me fait un gros parcours au niveau de Avec la Gros Bambou, Waba. ouais. Ouais, Gros il est Bambou. bien pro en plus de Pourquoi il ça. défend ce titre, il défend ce titre-là? Oui, Ouais. pas Ouais, Aldo. champion des fois. Ouais, champion, Des des fois. fois avec un universe, une fois. Ouais. Ce Oui, mais parcours, ouais. oui, un joli Bien parcours. titré. Oui. Et donc, pour toi, c'est Bandelé, c'est Vini, Faut pas c'est besoin plutôt. loin, si on parle de Bumstead. Ouais. Bumstead, moi, quand on lit un jeudi athlète, mais des fois, on n'a pas besoin loin pour gagner mal l'inspiration. Le local même, Dans le peut-être. local, il y a un man du monde qui l'a. Ça, man du monde, a un parcours extraordinaire. Excellent. Extraordinaire. Donc, Bandelé, c'est comment je vais trouver, voir un peu des autres, d'un autre minimum un an. Et d'ailleurs, si je peux faire les pour fitness, ça va faire mon compétition. S'il n'y a aucun purpose qui te prend, Si un madame. du monde pas compete, moi, je Sure. dirais franchement, si tu fais international, La lancer un produit, parce que tu perds le compete, bataille tu perds la guerre maintenant, là. la guerre là, Pareil à l'Olympia. ouais. Donc, quand tu n'as personne, pas un Ouais. hands-on. Définitivement, Et définitivement. tout le monde compte à même. C'est tout le monde pour compte. Mais moi, pas penser que des fois, nous pouvons pas de jugement, même le nouvel athlète local qui compete international. Ouais. Ben, du monde local, je pointe nouvel athlète. Ouais. Mais qui fait pas point ça, ma Dans la tête, athlète déjà. qui est international. Nous avons un respect pour nous, ma athlète. Pour moi, Il est maintenant, important. franchement, et moi, mon envie, qui nous arrive à un niveau que le natif et le hand-hands deviennent définitivement le choix ultime du Bah, pratiquant. exact. Mais mon parcours, nous avons fait qu'il est tabou pour anciennement, et du coup, si on veut prendre le choix de hand-hands. Parce Exactement. que je me trouve, il est bien. Aïe, il est venu comprendre, il est venu, il crie. Aïe, t'as piqué, toi, t'es pas fou, t'es fou. Mais je ne sais pas qu'il était qui ça, tu m'as fait comme pire. Parce que moi-même, je commence en 2014, les lots naturels. Mais quand on décide pour entamer le Mauritius, mon objet est enhanced. Parce qu'il fait, moi je parle avec Ben Jimmy, Ben Denis.
Donc, localement, nous convertions du mari rigide avant. Oui. Donc, pour moi, le choix personnel, parce que moi, je suis both sides of the coin, moi, je finis ma compétition en 2017, je suis encore train. Je ne vais pas trouver nécessairement un bon enhance. Exactement. Donc, à la fin de l'année, il y a un bon choix. Tu comprends? Et Warren, tu es aussi un coach à la gym. Je pense que tu as vécu beaucoup moins différents types de gym. Du coup, le prochain topic, ego lifting. Qui me charge de faire passer à Manzen? Au fait, pour ego lifting, je peux dire franchement qu'il ne passe pas évidemment. Okay. Parce que nous avons beaucoup moins de TikTok, Manzenis. Nous prenons les simples, Manzenis, Feb and Press. Il y a 4-5 camarades, il y a des petits, des plaques pour là, des petits, des plaques pour là. Un peu plus spot. Mais c'est moi, il est resté sur Feb, j'ai tout une table en main. Ouais, mais dépendant ce goal, je pensais à du moment où il y a pour activer un. Pour lui activer un goal. Un goal. Il a besoin d'école, il a envie de développer sur l'école. Ouais. Mais tu fais te faire une affaire qui ne peut pas mettre toi aucune place. Ouais. C'est juste tu as besoin de faire le right choice. Yes. Pour toi, et Benzel, ce qui veut faire ego lifting, ça ne sert à rien. Oui. Et donc, Warren, mon cas, dire maintenant, tu ne participes pas multiple à compétition internationale. Et nous capables de dire qu'il crée toute place, qu'il crée. Pour être ambassadeur, tu vas essayer d'être premier tous les années, mais bien au moins sûr. Tu peux promouvoir le sport. Mais vu qu'il est un ambassadeur du monde du sport, du monde du bodybuilding et fitness, qui met ça à te faire passer à Manzenis qui mérite toi aujourd'hui? Moi, je veux dire, ça, au fait, ça c'est pour mon cause, pour moi d'abord. Ça sport là, c'est un peu de mon avis. Et tout le temps, je me disais, toi, il y a une femme qui contacte toi, je me disais, toi, mon mari apprécie le travail que tu fais là, tu peux donner bodybuilding, plus un, comment dire, un aligné, plus en cours, parce qu'il nous a fait qu'il nous content, tu ne peux pas aller six mots. Effectivement, pour moi, à un moment donné, si tu fais ça, c'est mon senti bodybuilding qui. Oui. Je ne vais pas dire un mot, mais je peux avoir un déclin. Et mon senti qui bodybuilding, tu peux avoir un déclin. Et mon parti peut. Tenez, mais moi, je me si mon café ne fait pas moi, mon pari est loupé actuellement. Tu comprends? Et mon père, tu fais envie qu'il fédération, faire quelque chose sur la fédération, parce qu'à la fin de la si tu tiens fédération, tout athlète est financier, tout athlète est pareil, on va en faire là. Donc, maintenant, il y a une communauté de fitness et bodybuilding à Maurice. Si tu veux trop moins pévin de l'avant avec ça, concept là, c'est parce qu'ils m'ont envie de promouvoir chacun d'entre nous pour qu'ils te mettent, tu te mettes à vas-y! Arrête, mais je trouve que le HP sur scène, tu me comprends? Et ça, c'est la bonne compétition, tu comprends? Moi, en vérité, je me disais, il n'est pas bien de le faire, aussi, mais je suis reconnu dans la société, bien tu comprends? Sûr, reconnu. Et définitivement, ça, mon pensée, il est pour encourager, inspirer à Manzenis, faire compétition. Et aussi, il est pour promouvoir les outils. Parce que les outils, c'est gagner, faire ça. Moi, il n'est pas mon gagner, moi, je fais ça par pure passion. De profession, moi, un professionnel, et de passion, moi, un bodybuilder. Même qui ne pas bodybuilder, niveau assez élevé récemment, suite à mon bal de l'échec, mais moi, je suis bodybuilder. Mais moi, tu m'arrives content qu'il m'arrive des vidéos. Il est élevé, mais je préfère lire dans ma façon, dans mon tirage les temps qui vont être, pour les temps bien chargés. Mais voilà, je suis content qu'il nous réussisse à nous promouvoir ça et Manzenis inspiré pour ça. Pour moi, sans que cette vidéo-là, selon les 25 années, ça fait gym, je finis à suivre mon goal. Tu comprends, je finis à suivre mon goal. Et en fait, ce qui m'a fait envie, passe le message à travers les autres, c'est que moi, I have been on both sides of the world, native versus enhanced. Je trouve trop beaucoup d'aînés autres jours, qui écoutent gauche-droite dans le gym, mais juste comme dit, que maintenant, il faut qu'ils appellent dans toutes les cours. Et que je vais faillir dans comprendre que je donne la puberté qui bien pique. Jusqu'à 25 ans, la puberté pique. Je donne la poussée de testostérone, que je vais faire gaffe. Je peux détruire les autres cours. Je vais faire gaffe, juste la cause. Je n'ai envie de parler de tout le monde Denis Ayen, je n'ai envie de parler de tout le monde Jérémy Genève ou NHT Kanye, j'ai envie de vivre belle. Mais nous, nous vivons belle parce que nous sommes Denis Ayen sur Procode, Jérémy a envie de vivre pro, moi aussi, j'ai envie de vivre pro un jour, mais nous avons avancé. Exact. Mais à la base, quand nous commençons naturel. Exactement. Nous souffrons pendant un an naturel avant qu'il nous entame la décision pour dire non, let's go and end. Mon frère Jérémy Genève, c'est décidé, c'est naturel à un moment donné. Donc, qui fait, je dis, tiens une photo de gym, avec 10 camarades, Richer, Instagram Cloud, je vais dire à l'enhance. Non, mais bodybuilding, c'est une passion que tu peux apprécier faire. Passion et patience. La patience est très, très importante. Effectivement. Parce que ça, moi, je me dis, même tu peux entraîner, à feeling que tu as gagné là, passe pas, je peux prendre des coups, je sortir une pump. Non, ouais. C'est un feeling. Ouais.
Au fait, ce qui compte en bodybuilding, il faut comprendre que je peux retirer. Ouais, c'est, pour moi, c'est un grand partie de mon vie. Un lifestyle. Oui, c'est mon lifestyle. C'est mon style de vie. C'est mon style de vie. C'est identique. Et je n'ai pas pensé que je vais faire. Il faut dire que j'ai fait gravement avec le bodybuilding. Et je dis dans ma vie personnelle, tout ce qui est arrivé dans ma vie, c'est bodybuilding qui nous ouvre tout bas la porte qui vise. Okay. C'est bodybuilding qui nous ouvre tout bas la porte. Donc il y a l'opportunité à travers beaucoup d'opportunités, beaucoup de connexions. Oui, c'est pas juste. Mon manager. Club manager, yes. Mais il n'est pas juste côté ça, mais dans la vie, quand c'est du monde qui vient vers toi, qui demande toi conseil, qui cause avec toi, dans toute la communauté, man du monde qui te joint, man partage qui te fait. Quasi c'est du monde pour t'entraîner. Il faut gagner une conversation avec toi. Ouais. Tu comprends, il n'est pas juste côté professionnel, mais dans toute la vie de tous les jours, le bodybuilding, ça fait extraordinaire. Et tu peux apporter un petit changement envers ça du monde qui vient de toi. Bien sûr, et tu peux, sans te rendre toi compte, tu peux sauver la vie du monde. Ouais, un simple conseil qui te peux donner et m'aurait dire, moi, si un jeunesse peut penser pour un diamant, qui est capable pour un hand, tu as oublié ça. Ça même au budget. C'est ce choix la peine, ouais. Personnel. Ok. Ouais, mais là, je peux pas. Ouais. Ok. Et c'est toujours en tant que coach, moi, voilà pour promouvoir la santé. La santé avant tout. Mon avis personnel, c'est ça mon avis personnel. Mm-hmm. Mais un coach, ce duty, c'est promouvoir la santé. Après, il nous guette beauté physique. C'est la santé. Et club manager à Enoya Event, qui met ça à faire passer que ça m'a démontré, c'est qui me travaille dans ça, comme un bâtiment autour de nous, pour connaître beaucoup de travail, dire, peut push deadlines and everything. Qui met ça à faire passer, vu qu'ils sont déjà ouverts 6h30 le matin et se ferment 10h le soir. Qui met ça à faire passer à Bana? Moi, ce qui me peux dire à Bana, je viens de rendre une visite, moi, vite, je viens de découvrir le club Enoya Fitness Club à Event. Nous avons fait un free trial aussi, faire un essai, nous là pour conseiller les autres. Mm-hmm. Nous avons un service qui est extra. Je vais conseiller les autres côté l'exercice, mais aussi côté nutrition. Hein. Côté nutrition, ouais. Ça plus dans mon côté, okay. Moi, le weight management spécialiste, qui okay. Me fait l'étude, puis approfondir ça, nous là pour les autres, pour conseiller les autres. Et énormément de coach sportif. Okay. Aussi qu'il a, qui a apporté à ce bandolé. Et apporte les appareils, les équipements de la gym, qui est une classe d'autopère. Nous faisons une classe de les Smiths, comme Body Pump, Body Combat, nous faisons RPM aussi, et dans Body Balance. C'est ça, dans le côté les Smiths, nous faisons, nous faisons Heat Training. Tous les jours, les différents, ou bien nous faisons un planning, nous faisons un timetable de lundi à samedi, nous en cours. Ok, et il est affiché à la gym ici. Nous avons aussi le Enoya Club, notre website officiel. Officiel, il y a un autre plan, les autres qui préparent. Je délie activité, c'est pas je travaille, bien sûr. Et surtout que nous, quand tu es abonné, nous avons l'application Enoya Fitness Club. Pour là, ça, tu es en tout, tu fais tes réservations. Et pour pas de type de banque, que nous faisons faire réservation. Donc, je dis à Eben qui dit aïe, mon travail Eben, vous stressez, aïe, mon travail Eben, vous pénalisez les temps. Une nouvelle gym pour eux, un gym qui nous garde de classe. Et dans mon lème, là, devant moi, il y a beaucoup de coachs qui sont ici, qui sont bien helpful. Et pas hésiter. Parce que si vous pensez à une pratique de sport, 30 à 45 minutes daily, c'est good for them. Comment dire, moi, me dire haut et fort, nous faisons un menu pour vous et nous disons tout là-dedans. Quand nous avons heat training, circuit training, yoga, body balance. Customized for different people. Exactement. Okay. Each one needs. Okay. C'est-à-dire, ce qui tu as envie. Donc, tu ne vas pas dire ce qui est loin, il y a même une engine. Nous n'en tout, nous n'en disons tout. This to call you. Donc, drop by, je vais mettre Enoya sur mon coordonnée ici, pour avoir un sur mon coordonnée. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui disent aïe, moi, je suis un travail, mais il y a un vestiaire, il y a un bon vestiaire qui vient. Et il y a un sonat aussi. Ouais, c'est un sonat. Donc, venez, c'est lui. Moi, je dis à moi que je peux investir, je peux travailler, je peux investir, je peux temps pour que je gagne un casse. Mais pas négliger de la santé. Bien sûr. Pas négliger de la santé. Et Warren, et bonne pause, tu as une question. Est-ce que tu as une question que tu as envie de poser moi? Moi, ce qui me demande, toi, acheter, mais toi qui te attends du bodybuilding à Maurice sur l'évolution, comment. Moi, j'ai envie qu'il nous revive. Moi, je vis les
Denis, Jimmy, Jérémy, Anan, tu as Saint-Irène, tu as Aldo Fola, tu as. Tu peux monter avec mon ancien, comment. Monsieur là. C'est dans l'Olympique Gym, là. Il est moyen appelé. Tu as beaucoup de Masters, de Zagan, tout ça là. Tu as Molo. Molo. Mon envie qui nous régale, c'est un stack line pour moi. Je suis un athlète de qualité, classical lines. This is what was proper bodybuilding. Jimoun par l'école là dans le c'est l'alimentation. Définitivement. L'alimentation, c'est ça la clé. Ouais. Et supplément qui prend même toi sa bourse là, sa bonus. Et tu vas être trop dépendant là, ça me pense. C'est over reliance. Oh mais à ce qu'elle comment nous dire, Ashley, que sa nouvelle génération, je veux dire, tout devant eux. Tout. Toute l'information nécessaire, si tu l'époque, tu te gagnes à l'information qui est là. Comment tu es déjà pro? Moi aussi, c'est certain. Parce que toi, tu es dans une belle compétition, même avant, mon compétition aussi, Mr. Nof, même beaucoup dans le bodybuilding, où tu comptes le bodybuilding tout le temps, même au parti pratiqué, où tu comptes le bodybuilding. Et moi, j'espère que c'est ça, vraiment, libre qu'ils ont toujours dans la gym, gauche-droite, on a une variété, une gamme de nourriture, une gamme de suppléments. Avant, quand tu as un peu de protéines, tu m'as rien dit. Mais exploite sa ressource qui est dans la zone là et Manjimona Eben, exploite ça, j'aime là parce que. Non, moi, vite, j'ai franchement, moi, vite, j'ai bien découvert. Et Warren, ce fut un plaisir. Merci plaisir. Et continue à suivre la vidéo, continue à suivre la chaîne. Et n'importe qui va nous faire un commentaire, en tout cas, merci pour me capable de répondre dans la prochaine vidéo. Ciao. Merci.